Salut la compagnie, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'essai impression sur le premier premium qu'on peut débloquer via cette opération HIT, anciennement appelée opération Summer. Au bout de 5 marques de distinction, donc les 5 marques de distinction sont dans vos défis. Alors là, on est sur les tankistes. Donc une fois que vous avez débloqué les 5 marques de distinction, vous débloquez ce petit véhicule, comme vous l'avez vu dans l'introduction de cette vidéo. Et ma foi, ça fait quelques games que je le teste. Et j'ai un peu un sentiment mitigé par rapport à cette unité. Donc le BT7 F32, lui, a un canon de 76 mm, alors que normalement la série de BT7 a un canon de 45 mm. Sauf que le BT7 normal, lui, est de Battle Rating 1.3 et de rang 1. D'accord? Donc lui, il est très très compétitif dans son rang et dans son BR. Par contre, le F32 Premium, il est à la peine. Même s'il a un canon de 76 mm, vous allez rencontrer du M24, du Panzer IV Befehlshaken, du Panzer IV-G, du Chinu, du M24, de rang 3. C'est chaud cacao. Donc c'est une unité qui va être jouée très très finement, donc de type M18, la tactique pour flanquer ses adversaires, parce qu'il n'y a absolument pas de blindage là-dessus, hein, c'est du BT7, donc c'est 20 mm au niveau de la caisse à l'avant et 15 mm au niveau de la tourelle, donc inutile de vous dire que tous les obus qui vont vous toucher vont vous critiquer à 80% ou alors va vous one-shotter. Hein. Il n'y a que 3 membres d'équipage là-dessus. Par contre, bon, c'est la vitesse du BT5, c'est 54 km par heure. Et bon, vous avez une mitrailleuse coaxiale 762 DT avec 3780 cartouches à disposition. Vous avez aussi 50 obus pour ce canon de 76 mm F32. Donc le 3.0, je le trouve un petit peu haut pour ce premium. Pour vous dire la vérité, ouais, mitigé comme sentiment, mitigé. En tout cas, en ce qui concerne le canon, il y a un truc qui est assez sympathique, c'est que il y a une dépression de moins 6 degrés, ce qui est assez rare chez les soviétiques, hein, c'est plutôt 5, donc ça aide un petit peu. L'élévation est de 25 degrés, la tourelle est très lente, 14,8 degrés par seconde, c'est pas top. Donc si vous êtes immobilisé, vous êtes mort, en gros. Le rechargement est de 6,7 secondes, c'est pas rapide non plus. Je suis un équipage expert. Donc 3 membres d'équipage, alors évidemment, vous faites toucher, vous êtes mort. Ça fait 13,7 tonnes et ça cavale à 54 km par heure. Au niveau de l'obus, alors il y a un truc, je sais pas, j'arrive pas trop à capter l'histoire. Moi en général, je prends le BR350B MD 8 fuses qui perce à 86 mm avec 0 degré d'inclinaison de blindage et j'ai beaucoup de mal sur la face avant des Panzer 4. Même à courte portée. Je m'y prends à 2, 3, 4 fois, ça ricoche, donc je ne sais pas trop. Alors le BR350A, je ne vous le conseille pas, ni l'obus hautement explosif, ni le shrapnel. Bon, après, l'obus fumigène, ça c'est vraiment pour la défense. Donc si vous partez avec ce BT7 F32, prenez le BR355. Pardon, PR350B, je vais y arriver, MD 8 fuses, qui lui perce à 86 mm à 0 degré d'incidence de blindage, ou alors à 31 mm à 60 degrés d'incidence de blindage à 10 mètres. C'est pas beaucoup, hein. Les gars, c'est pas beaucoup, hein. Parce qu'en face de vous, il va y avoir des unités qui sont quand même correctement blindées. Donc cette unité premium est plutôt pour les gens qui sont habitués à War Thunder. Parce que en réalistique, comme je vous dis, c'est chaud cacao. Allez, on va partir sur une bataille réalistique. Hop, attendez. D'abord, je vais faire quelque chose. Je vais mettre des respawns. Je vais activer ça. Voilà, comme ça, si je me fais péter, je peux le récupérer pour vous montrer un petit peu de quoi il est capable en jeu. Donc ouais, un sentiment un petit peu mitigé sur ce coup-là. Je ne suis pas super emballé par le BR. Je vous dis, l'unité en elle-même est très intéressante. C'est sûr que d'avoir un BT7 qui est ultra rapide en jeu avec un canon de 76,2 mm, c'est intéressant. Mais il y a tellement peu de blindage et en face, il y a
tellement de meilleures unités que si vous n'êtes pas vraiment loin en train de sniper, vous allez vous faire mais défoncer, vraiment défoncer. Alors là, oula, en plus on part sur usine abandonnée, alors là c'est du choc brutal quoi, il n'y a pas moyen de se planquer. Et c'est une toute petite map, donc bon, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Alors je vais partir là. Donc BR350 BMD8 fuse. Et puis on va voir contre qui on va se battre. Hein. Donc bon, la vitesse, c'est sûr qu'elle est, elle est là. Il n'y a pas de souci, mais bon, le blindage il n'est pas là. Et la patate du 76,2 mm, je la trouve pas super pêcheux. Quoi. Donc je vous dis la vérité, je suis pas encore super emballé. Donc contre les Anglais et les Américains, on va se battre. On va sûrement se faire uptir à 3-3 voire plus avec du M24, avec du Cromwell. Je vais envoyer partir ici. Donc avec cette unité, bon, vous pouvez spotter les ennemis. Hein. Donc ça c'est plutôt sympathique. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème au niveau de la mobilité. Hein, elle est là. C'est du BT7. Hein. Voilà, je fais gaffe quand même. Ah, il y a A qui se fait caper déjà par une unité très rapide. Je ne sais pas ce que c'est comme unité, mais c'est rapidos. Je vais laisser mon collègue s'en occuper. Je vais couvrir ici. Est-ce qu'il s'en sort? Ouais, il s'en sort. Du M22. C'était du M22. Rien à droite, rien devant. Donc je vais couvrir tant que méga cap A. Je vais rester encore un petit peu là. Ça cap sur C. Ah, notre BT7. Ah là, ça va être BT7 spam quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va aller là-bas. On va voir, on va se mettre ici. C s'est fait caper par l'ennemi. Il n'y a personne ici. Allez, on va en profiter pour se balader ici. Alors la rapidité, comme je vous dis, elle est là, hein. C'est intéressant d'avoir une unité rapide. Par contre, vous n'allez pas casser des murs avec le BT, hein. Il n'y a pas assez de motorisation. Je vais mettre un ennemi qui vient de passer. Hop, je vais mettre l'ennemi. Alors ça c'est du Sherman, carrément. J'espère qu'il n'a pas vu. Voilà, détruit. Alors de côté, ça fonctionne. Ah, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est du M22. J'ai touché. Donc rechargement assez lent quand même. Hein. Ou critique. Ouf. Bon, le M22 s'est fait péter. Destruction, ok, ça marche. Des fois ça marche pas à 100%, mais là ça a marché. A se refait caper. Hop, il y en a un autre là-bas, un LVT. Coup critique. Recharge. Destruction, ok.
Bon, ben, j'ai plus de chance sur cette partie, les gars. Parce que la partie précédente, c'était un peu le caca. Bon, je vais aller sur A. Peut-être KPB, hein, ça serait pas mal. Peut-être. Donc avec cette unité, c'est chaud quoi. D'aller au contact comme ça, c'est super chaud quoi. C'est vraiment super chaud. Donc bon, je vais essayer quand même d'aider mes collègues. Oh là là, il y a du monde là-bas. Oh là là là, ben vous avez vu, hein, un M16 de rien du tout. Hein. Ben là, j'étais fini. Hein. Là, j'étais absolument fini. Je l'ai vu au dernier moment. Allez, je reprends mon BT7 F32. Ouais, ça c'est une unité extrêmement fragile à ce DR, très très fragile, bien trop fragile je trouve. Même avec un canon de 76 dessus, je sens pas le BR 3.0, je le sens pas. C'est pas un truc, je pense pas que ce soit super équilibré de l'avoir mis à 3.0, c'est pas vraiment un danger. C'est pas non plus, ça en fait pas non plus un premium exceptionnel ou un petit peu particulier. Donc, ouais. Encore le même. Ah, vous avez vu là. La tourelle là-dessus, hein, c'est la catastrophe. Ouf. C'est vraiment... Les chocoboules. Allez, on va essayer de caper un. Est-ce qu'il y a du monde là-bas? Non, il n'y a personne. Mais il n'y a vraiment absolument aucun blindage. Sur cette unité, aucun blindage, le moindre petit coup va vous défoncer en 12. Et hop. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop up-tiered sur ce coup-là. J'ai pas trop vu de Chinu, ni de M24, ni de Panzer 4. Donc je pense que. Je suis pas trop up-tiered, c'est pour ça que la partie est pas horrible. Parce que j'ai eu des parties qui étaient mais catastrophiques juste avant de faire cette vidéo d'essai impression. J'étais en train de tester quand même pour voir un petit peu son maniement, comment ça tournait, comment ça réagissait. Et fou. Qu'est-ce que c'était chaud, qu'est-ce que c'était chaud les gars. Donc ouais. En tout cas, c'est pas une unité OP, ça c'est sûr. Ça vous pouvez me croire. C'est absolument pas OP. Alors lui carrément, lui, génial. C'est bien, bien joué ça. Les œufs. Frustration, frustration, frustration. Allez hop, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Allez tout, que dalle. On est comment là? On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ça pourrait être pire. Je vais planquer ici, tiens. Ça pourrait être pire, les gars. C'est pas une partie fantastique. Mais ça pourrait être pire. J'ai eu des parties beaucoup plus chaudes que celle-ci. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme ça fait du temps de jeu et vous pouvez voir le BT7. En tout cas c'est une unité premium qui n'est pas destinée aux jeunes joueurs ou aux gens qui sont pas trop expérimentés dans War Thunder. Que là vous allez en chier les gars, vous allez en chier. Ok, allez, on va caper B.
On va faire du point. Donc ici quand même là, couvert à droite. Ne me tire pas dessus, Ginger. Je te tirais pas dessus, j'étais en train d'enlever le grillage. Bon, bah écoutez, on a tous les points là. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Je pense que, ouais, je pense que c'est bon pour nous là, cette partie on va la gagner. Les deux parties précédentes que j'ai faites avec le BT7, on les a perdues. Hein. On les a perdues, on était systématiquement fatigued. Et je peux vous garantir du BT7, même avec un canon 76 mm sur même du Virbel Wind là, j'arrivais pas à le percer de front. Et c'était pas possible, j'arrivais pas à le percer. Quoi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je le perçais pas. Pareil pour du Panzer 4. Hein. De toute façon, le Virbenwild, c'est un châssis de Panzer 4. Donc, mais vraiment, j'arrivais pas à les percer. Le Chimu, c'était difficile. C'était très difficile. Bon, apparemment, il y en a un qui est en l'air. Ok. Je sais pas s'il y a un autre qui se planque au niveau du terrestre. Donc il y a deux mitrailleuses là-dessus. Hein. Une mitrailleuse coax et une mitrailleuse de tourelle. Donc ça m'a bien aidé tout à l'heure contre... bien touché là. Il va se casser la gueule. Peut-être, ouais, il s'est cassé la gueule. Il s'est fait péter. Alors, c'est un petit char, hein, donc c'est vrai que c'est... Ça peut se planquer assez facilement, ça c'est un avantage. Hein. Et puis vous avez vraiment intérêt à vous planquer les gars. Parce que, comme je vous dis, il n'y a absolument pas de blindage. Mais walou, rien du tout. Zéro, zéro blindage. Ok, bon bah écoutez, GG. Hein. GG, donc 5 kills, 2 caps, ça va. Ça va, une bonne moyenne quoi. Donc voilà les gars, le BT7 F32 en jeu et en réalistique. Donc vous voyez, c'est pas un véhicule extrêmement OP, hein, donc, et loin de là. Hein, c'est un véhicule qui va se jouer plutôt finement. Bon là, on était sur une map qui n'était pas vraiment adéquate pour ce type d'unité, qui est absolument non blindée, même s'il y a un canon qui est de 76,2 mm. Vous n'allez pas au contact avec ce type d'unité. Ça, c'est oublié, quoi. Il faut surtout pas être au contact de l'ennemi avec cette unité, autrement vous allez vous faire casser en 2000 morceaux assez rapidement. C'est une unité qui va flanquer l'ennemi, qui va se planquer, qui va tendre des embuscades et qui va compter sur son canon de 76 mm pour infliger un maximum de dégâts au premier coup. Si vous n'arrivez pas à infliger un maximum de dégâts à votre premier tir, dès votre premier tir, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. Et des fois, comme je vous dis, le 76,2 mm, ben, il n'est pas super efficace sur du Panzer 4. Du Panzer... Alors attendez, je veux voir avec vous le Panzer 4 Befelswagen. Il a combien? Il a 4.0, ouais, donc ok, j'étais aptired à 4.0. Donc vous voyez, on est sur du rang 3, 4.0 les gars. J'ai aussi eu du KV-1B en face de moi. Alors là, oubliez. Si vous avez le KV-1B en face de vous, moi j'ai essayé de le percer de face, de côté.
impossible. Il m'a à chaque fois rétamé. Il y a aussi du Churchill que vous allez rencontrer. Vous allez aussi rencontrer du KV2 750R. Ça, ah non, non, pardon. C'est pas celui-ci que vous allez rencontrer, c'est celui-ci. Vous allez rencontrer du T-34 747R, qui est aussi un ennemi très très costaud à casser. Vous allez avoir du M24 en 3.3, de rang 3. Là, c'est aussi costaud, hein. Des fois de face, vous pouvez ricocher là-dessus. Alors de côté, par contre, vous le pétez en deux, ça, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, le BR 3.0 est un BR beaucoup trop pour cette unité premium. Je pense que Gaijin va peut-être le baisser à 2.7. Hein. Pour moi, c'est plutôt un 2.7 qu'un 3.0. Un 3.0, c'est à moins d'être à 2 km de la map et de sniper et peut-être de tuer des unités. Et encore, évidemment, le 76 à longue portée va perdre de sa pénétration. Hein. Donc plus la distance est grande, moins vous allez pénétrer le blindage ennemi. Donc je sais vraiment, c'est pour moi c'est pas encore super concluant ce rang et ce BR pour le BT7 F32 de cette opération HIT, donc le premier véhicule premium que l'on peut débloquer au bout de 5 marques de distinction au format terrestre. En tout cas, j'espère que je vous ai donné des petites infos avec ces batailles en réalistique. Et on va voir par la suite. Hein. De toute façon, moi, je continue l'opération HIT. Et puis, j'ai déjà débloqué le BF 110C. Je vous montre. Voilà, je vous montre. J'ai une, deux, trois, quatre et cinq marques de distinction. Hein. Donc, mon BF 110C, il est dans mon inventaire. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est pas là. Donc j'ai dû le mettre ici dans les premiums aviation. Il est où le coquin? Donc il est là. Voilà le C6. Donc vous voyez, hein, je l'ai débloqué. Donc je ferai une vidéo d'essai impression incessamment sous peu sur ce BF 110 C6 armé du canon de 30 mm. Ok. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. J'espère que je vous ai donné des infos utiles sur cette nouvelle unité premium donc de cette opération HIT, le BT7 F32 armé de son canon de 76,2 mm F32. Et puis bon, petit pouce bleu en l'air pour supporter ma chaîne, ça fait toujours plaisir les gars. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous, ciao!